Nous voilà arrivés au point fort de cette journée, en l'honneur de Roland. Pourquoi un stade Roland-Bertrand? Parce que c'est sur ce terrain, séparé de sa maison familiale par ce simple ruisseau, peut-être déjà un signe du destin, que Roland accomplira ses premiers exploits au Valien, avec l'équipe des juniors d'Ibos de l'époque, avant d'embrasser l'immense carrière sportive que tout le monde connaît. Parce que le palmarès si éloquent qu'il s'est construit ne peut être que le reflet d'un joueur déception. Nous en voulons pour preuve les nombreux témoignages unanimes et élogieux de tous ceux qui ont joué à ses côtés et le respect, voire la crainte qu'il inspirait à tous ses adversaires. Et bien des années après avoir quitté le devant de la scène, ces mêmes frères de jeu sont là avec nous pour saluer ses qualités sportives, ses valeurs morales et humaines. Quoi de plus gratifiant, Roland, que d'être reconnu par ses pairs? Oui, sur le terrain, Roland a été époustouflant de classe. Et sur celui de la vie, grande fut sa modestie, son humilité. Au bout du bout, il a su rester semblable à ses parents, à sa famille, à ses amis et à ce village d'Ibos. Ibos que Roland a fait connaître partout où le rugby est vivant. Il est beau, il est digne qu'Ibos lui dise merci. Comment remercier Roland? Comment remercier un géant en baptisant le terrain de rugby de son village Stade Roland Bertrand? Et chaque fois que quelqu'un, d'ailleurs ou d'ici, passera devant le stade Roland Bertrand, le stade lui soufflera « Ici, le rugby vit ». Oui Roland, aujourd'hui Ibos, ta famille, tes amis te disent merci, et quel merci. C'est la plus belle et la plus grande récompense que nous pouvions t'offrir. Elle restera à la postérité et s'inscrira au patrimoine culturel d'Ibos. C'est une reconnaissance amplement méritée. Chapeau Roland, chapeau aussi à nos édiles municipaux qui ont eu cette remarquable délicatesse qui les honore comme elle honore Roland. Vive Ibos, vive le rugby, vive Roland! Voilà un moment très émouvant et on peut applaudir. On applaudit Stade Roland Bertrand à Ibos. Et alors? Regardez ici là. Nicolas! Nicolas! C'était super sympa d'avoir vu des anciens supporters au club. Et tout le monde était content.
Que ce stade porte votre nom, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait chaud au cœur d'abord et ça m'encourage peut-être à aller plus loin. De voir tous vos amis aujourd'hui présents, votre famille, je pense que c'est important. Bien sûr que c'est important. Il nous faut un public forcément pour jouer. Il faut du monde sur le terrain et dans les tribunes aussi. Alors, voilà. Allez-y, avancez. Voilà. Ça vous servira. Voilà. Davina ? Au nom du conseil municipal, je vous remercie de votre présence pour ce moment hautement symbolique que constitue l'inauguration du nom de notre stade de rugby. Vous êtes ici au cœur d'installations sportives de plus de 2 hectares séparées par le fleuve impressionnant. Quel Mardin un peu à sec en ce moment. Installation qui a été inaugurée le 6 septembre 1968, il y a 54 ans, par l'ancien maire d'Ibos, Pierre Comé. Outre le stade de rugby sur lequel nous sommes, il y a 2 terrains de foot, un terrain de basket et de volley, les vestiaires, bien entendu, le clubhouse et les buvettes pour le rugby et pour le football. Depuis peu, un pump track pour les amateurs de VTT, BMX et diverses roulettes. Et demain, peut-être une salle de sport, car le dynamisme de nos associations culturelles et sportives entraîne la saturation de la salle commune. Mesdames, Messieurs, le 22 novembre 2021, le conseil municipal d'Ibos délibérait afin de nommer son stade de rugby Stade Roland Bertrand. C'était une telle évidence que de donner le nom de Roland à notre stade de rugby. Mais encore fallait-il une occasion. Et encore fallait-il savoir donner du temps au temps. Vous savez ce que c'est que donner du temps au temps. Ça veut dire écouter le discours du maire. L'occasion, ce fut la rénovation de la tribune. Ces choses faites, et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail. Et là, je vais les nommer. Les entreprises PBM pour la structure ferronnerie et bois, la Satec pour la maçonnerie, Bernard Jouclin, adjoint aux travaux, Fabien Camille Debat pour les ateliers municipaux, Guy Duloup pour la coordination, et un grand merci, bien sûr, aussi aux membres de la JSI, jeunes et anciens, pour la construction de la buvette attenante aux tribunes. Et en leur nom, merci à leur président, Nicolas Gourichon. Il a fallu aussi donner du temps aux amis de Roland et à Sylvain pour fédérer autour de leur projet d'inauguration. Cette journée, avec les amis de Roland, nous l'avons voulu sous le signe de l'amitié, de la convivialité et du partage. C'est la raison pour laquelle, avant de couper symboliquement le cordon et de lever le voile, je donnerai la parole à Sylvain qui parlera avec son cœur de Roland. Permettez-moi tout d'abord de souligner que nous avons décidé de donner le nom de notre stade a une personnalité emblématique du monde du rugby. Sélectionné 69 fois en équipe de France de 71 à 81, qui a gagné 2 grands chelems avec ses amis, tous présents ici. C'est remarquable. Ils sont tous là. Les grands, les petits, les gros et les gros. Les costauds. Roland Bertrand naît juste de l'autre côté du Mardin, face au stade, a essentiellement connu deux clubs, celui d'Ibos à ses débuts, mais surtout celui de Bagnères de Bigorre, club cher à son cœur, dans lequel il a effectué la plus grande partie de sa carrière. La dénomination du stade de rugby sur lequel il a fait ses premières armes est pour Roland une reconnaissance à la fois de son talent de rugbyman, mais aussi de sa valeur humaine. Quant à sa notoriété, c'est une plus-value incontestable à la fois pour l'image de notre village, mais aussi pour le rugby ibossien. Je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées, l'association des amis de Roland, en premier lieu. Ils n'ont pas ménagé leur peine. Je peux en témoigner, ils étaient en mission. En mission. Le mot est bon. Autour de Sylvain, de ses amis, de l'ancien maire Daniel Frossard, encore merci à vous pour avoir su fédérer autour de vous, pour avoir su rendre belle cette journée en l'honneur de votre compagnon à destination des Ibosséens et du rugby d'aujourd'hui. Je remercie la municipalité d'Ibos, autant faire de l'autosatisfaction, et les ateliers municipaux pour leur investissement. Et en premier lieu, Jean Trille, Serge Almendro, Bernard Jouclat, Dominique Gaille, Gisèle Vincent, qui ont été omniprésents autour des amis de Roland.
Merci aux anciens et actuels dirigeants du club qui ont fait et qui font le rugby Ibocéen. Merci aux nombreux sponsors publics et privés qui ont répondu favorablement et spontanément pour aider financièrement ou matériellement à la réalisation de cette journée d'inauguration. Je voudrais particulièrement saluer l'initiative d'un ami de Roland, Alain Tani. Il a créé une magnifique plaque en corten en l'honneur du stade et de Roland, plaque qu'il a réalisée dans un de ses ateliers de son entreprise à Ville-Comtal et que nous allons dévoiler dans quelques minutes. Je remercie aussi bien sûr de votre présence les anciens joueurs internationaux qui sont là en face, qui ont chaud, qui leur tardent que j'arrête de parler. Et d'ailleurs, s'ils le demandent gentiment, je vais m'arrêter. Et des anciens internationaux ou ayant joué avec Roland, Dibos et de Bagnères, les entraîneurs, les présidents et dirigeants du club et des associations ibocéennes, un grand merci aussi au club de Bagnères et de Lannemezan qui ont accepté de venir jouer ici cet après-midi à Ibos dans des conditions exceptionnelles avec un terrain arrosé depuis le début de la semaine malgré l'arrêté préfectoral. Millions de jeux, les dépositaires et les passeurs d'une certaine idée du rugby, celui de la liberté, du plaisir de vivre et d'être ensemble, de la joie de courir après un ballon au rebond capricieux, de l'individu qui sert et s'épanouit au service d'un collectif, avec humilité, avec discrétion. Une leçon à méditer en ces temps d'individualisme et de chacun pour soi. C'est au nom de ce rugby que vous souhaitez transmettre, Roland, aux jeunes générations. Celui de Roland, celui de ses amis, au nom de la mémoire de nos pères qui se levaient devant leur téléviseur et gardaient leur béret entre leurs mains jointes pour écouter les hymnes avant chaque match du tournoi des Cinq Nations. C'est en vos noms et au nom du conseil municipal que je suis fier de donner le nom de notre stade de rugby ici, à Ibos, le 27 août 2022, stade Roland.